Oh putain, c'est quoi ça? Est-ce que t'es content, mon Charlie? T'es content que j'ai racheté le jeu?
On fait quoi, mon Charlie? On fait Claire ou on fait Léon? On fait Léon? Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour moi. Je vais faire partie de quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! C'est bizarre. Hein? Y a quelqu'un? Quelque chose tombe par où? Ça va? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Bouge pas! Ou je tire! Thank you.
Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi? Des flics? Ouais. Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde. Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! L'apocalypse.
Allez, c'est parti, les bons vieux souvenirs, mon Charlie. Merde. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Qualité, je peux augmenter un petit peu. Attends. Qualité texture. À la limite, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça déjà. Le voilà. C'est mieux le commissariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pour les boss. Mon Charlie, il est là, mon Charlie.
Bon sang. Ouvrez-moi! Vite! Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! Je vais vous aider! Aide-moi! Putain! Tenez votre main! Je vous tiens! Votre main, allez! En sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier jour.
Ça va être galère. Fait tout de mémoire, hein. Donc je me rappelle plus trop. Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais. Elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. C'est poisson, scorpion, vase. Non, licorne, hein. Donc la licorne. Oui, poisson, scorpion, vase. Poisson. Scorpion.
je me rappelle de tête, mais je me rappelais plus trop. Donc Elliot avait... On dirait, mais le passage est encore fermé. Oui, je le fais entièrement, mon Charlie, pour toi. Bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez. Hé, on va s'en sortir, tous les deux. Marvin, ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez? Marvin? Merde. Charlie, il aime bien les insectes.
coup de tête, mon Charlie. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana ! Marvin ! On fiche le camp. Hey, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends ! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Quelqu'un m'observe. Tu t'es mis devant la télé, mon Charlie ? Je vois que tu réponds plus.
Merde. Il me faut la carte. Oh, c'est pas vrai. Je vais me lâcher! Hey! Qui êtes-vous? Attention! Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Hé! Hey, mais qu'est-ce que je dois faire? Y'a quelqu'un? Hey. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là? Trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ces magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, hey, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi! Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Hé, hey, merde! Il arrive! Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez! Allez, fais pas le con! T'as besoin de ça! Fais-moi sortir de ce putain de trou! Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Belle. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, alors. On avance très rapidement, hein, quand même, hein. Je me rappelle de certains trucs. Et là, je joue sans mes notes. D'habitude, je joue toujours avec mes notes de jeu. Là, je fais tout à la tête.
Bon, que c'est pas compliqué, mais il y a certains trucs que je m'en souviens même plus. Charlie, je fais tout à la tête, mon Charlie. T'es content que je refasse Resident Evil 2, mon Charlie ? Ah, t'es content, mon Charlie. Content ou trop content? Parce que c'est pas pareil, hein. Des fois, tu me dis trop content. Je sais que ça te fait super plaisir quand tu dis trop content. Alors Marvin, tiens. Ah, plus de Marvin. J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte. J'ai pris quoi? Ah oui, mais je suis con, j'étais de l'autre côté. Je perds le nord, mon Charlie. Thank you.
Ah, je ferai ça plus tard. Mon Charlie, il va voir le gros. Eh oui, il va voir le gros, mon Charlie. Oh purée. Dehors, oui. Je peux pas rester ici. Bah oui, il faut s'échapper du commissariat, mon Léon, hein. Attends, j'ai pris quoi comme truc? La clé de trèfle. La clé de trèfle, elle ouvre. Oh purée! C'est pas là. Je perds du temps, mon Charlie. Perdu 15 secondes, mon Charlie. Il m'a attrapé, ce con. Ouais, je suis en vert, mais... J'ai tatouage. Regarde, mon Charlie, j'ai tatouage. Lol, j'ai tatouage. Il est plus beau gosse, mon Charlie. Ce truc est incroyable.
Charlie, j'ai tatouage. Lol. Regarde mon Charlie, j'ai tatouage, regarde. Il est sali mon Charlie, regarde. Dans le cou. Ah, j'ai cassé le pied. Casse le pied mon Charlie du zombie, on peut plus marcher. Attendez, j'arrive, hein. Petite seconde, j'arrive, hein. Je dois aller aux toilettes, j'arrive. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Désolé, désolé, j'ai dû aller aux toilettes. Ouh, il fait froid. J'espère que t'apprécies mon tome.
Oui, c'est là. Joue et qu'il arrive. Je tire un cas où s'il arrêtait derrière. C'est réflexe de speedrun ça. On tue tout, tout ce qui bouge. Les trois chiens. Bah il y en a que trois mais il fait mal hein. Charlie il peut le dire hein. Il y en a que trois dans le parking mais ils font très mal. Bon on va voir Ben là, le pauvre. Oh putain, j'ai pas pris. Oh là là. Je suis con. Mon Charlie, j'ai perdu du temps. J'ai pas pris le clocher. Je remonte. Quoique comme ça les chiens sont tués. C'est la première fois que j'oublie un truc. Ça doit faire très très longtemps alors que j'ai pas joué hein, parce que pour que j'oublie un objet comme ça. Je vais avoir le gros là. C'est pour ça que je voulais pas. Le clocher, c'est quoi? Le clocher, c'est là, hein, le clocher. Attends, que je dis pas de bêtises. On monte. On monte au troisième étage. Donc, il faut que j'aille à la bibliothèque. Comment ça se fait? Il est mort l'autre là? Je ne suis plus.
qu'Umbrella fasse partie des bienfaiteurs ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ah, Annette, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virus G. Où avez-vous sur ce putain de gouffre dans la ville qui, d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez m'en dire plus ou est-ce que cet entretien est terminé. Connasse. Qu'est-ce qu'il cherche ? Ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points ? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague. Rien ne meurt ici, tu comprends ? J'imagine que tu as la carte. Oui. Et ça ? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fichons le camp d'ici. Tu as ce que tu voulais ? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non! Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein?
C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord? Emma. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi à lui ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas ? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Passons par là. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes de Mbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique. Umbrella contrôlera Queen City depuis des années. Waouh. C'est un tremblement de terre ? J'aimerais tellement que ce soit. C'est quoi ça ? Attention, on ne sait pas à quoi on a affaire. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. T'es sûr que c'est par là ? Malheureusement. Attends. Calmer, espèce de saloperie.
Si j'échouais là, si j'échouais ici, je recommençais toute la partie. Léon, par au début, ici. J'ai pas sauvegardé. Hein. C'était quoi ça? Zéro sauvegarde. Hein. Tais-toi et monte. Je t'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionnée que tu t'en sois sortie. Je voudrais comprendre. Umbrella vend ce genre de monstre à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator a des boîtes terrifiantes. Annette est bien plus dangereuse. Ça, c'est du William tout craché. Hé, hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche? Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore? Dernier avertissement. Ah oui? Hé! Arrêtez! Anna! Vous n'aurez jamais le virus G! Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation. Sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Tu peux toujours bon. Courir, Annette. J'espère que je vais pas mourir là. Tu hein. m'échapperas pas. Parce que là, si je meurs, je recommence tout, hein. C'est l'heure de mon arme secrète. Jeu d'enfant. Je vais prendre ça vite fait, en cas où. Thank you.
putain, c'est pas vrai. Oh là là, à chaque fois je me fais avoir là. Je te tiens maintenant. Tu détales toujours aussi bien. Tu dois le reconnaître. Parle d'un sacré col. On a évité le pire. Ça va. Bravo! Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question que vous touchiez au virus G. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Ça risque pas. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer.
Ada ? Merde. Ada ? Où es-tu ? Intéressant. Où est-elle passée ? J'arrive. Thank you.
Eh ben, dis donc. C'est de pire en pire. C'était quoi ça? Si je prends la reine là... Non, je me suis trompé.
croit me faire peur, le mec. J'ai un bazooka, hein. Bon, faut pas déconner. Ah, putain, je me cours. C'est vrai. Faut passer de l'autre côté. Là, c'était le roi. Là, la reine. Là, le pion. Je me souviens bien. Là, il me semble que c'était le fou. Thank you.
J'y suis presque, Ada. Il est encore vivant. Cette fois, je te tiens. J'espère que c'est fini cette fois. Allez. Je vais faire une petite pause de quelques minutes, hein. Par ici. Parce que le speedrun, ça creuse un petit peu. J'arrive. Ada. J'ai commencé à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le. Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Bouge pas. Ça va, je peux le faire. Détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef.
Le funiculaire nous amènera au Nest. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où ? Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. Laisse-moi te porter. Non, je me sentirai encore plus mal. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léon. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, hey, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada. Tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale. Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Ah, Delbo, bonjour. Je fais un speedrun, t'inquiète. Lol. Même, j'ai pris qu'un soin. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivés au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous.
Ça pourrait me servir. Docteur Lee, okay. Le chef Cartwright demande de toute urgence dans la zone Est. Le virus G est dans la zone Ouest. Compris. Pulvérisation de solution en cours. Mon Charlie, je connais plus le code. Et je vais prendre mes notes. Je vais exceptionnellement, je vais regarder mes notes pour le code. Mais c'est exceptionnel, hein.
Pas besoin d'internet, mon Charlie. J'avais mes notes. Ouais, faut que je le remplis de liquide. C'est ça. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Ah oui! Je me rappelle plus de ça. Alors attends, faut faire un tiers. Alors attends que je réfléchisse. Faut que je fasse un tiers, je me rappelle plus comment on fait déjà. On a un tiers, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Que je dis pas de bêtises. Je mets un tiers. Voilà.
C'est Murph. Ok. Bienvenue, Dr. Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Oh. Qui a laissé le congélo ouvert ? Refroidissement terminé. Pulvérisation de solution en cours. Ça a marché. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos questions ont été enregistrées. Merde ! Encore lui !
J'espère que l'échantillon. C'était facile. Il est temps d'aller retrouver Ada. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la station. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Attention. Ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi ? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non ? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous vous en tirerez pas comme ça. Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus, j'ai mais à aucun moment on a voulu. Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G.
Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Justement, je pensais à toi. On est deux, alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Et j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Oh, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon, et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi? Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme! Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable.
Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite. Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es encore là? Léon? Hé, hey, Léon, je t'entends mal. N'attends pas. Fiche le camp d'ici. Merde. C'est bien fait. Tu crois quoi? Vous êtes arrivé au niveau inférieur. J'arrive pas à croire qu'elle me manque.
On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà, fini le jeu. Ça t'a plu, Charlie? Ça t'a plu, Tom? Et s'il y a des autres personnes, ça vous a plu?
1h45 quand même, hein. Purée. Pas chômé, hein. T'as vu, mon Charlie? 1h45, mon Charlie. Zéro sauvegarde. Si, c'était un petit peu de speedrun quand même. Alors, voyons, monde additionnel. Ok. Bonus. Les défis. Ok. Atteindre le commissariat, ça c'est bon. Activer la statue de la déesse, c'est bon. S'échapper du commissariat. Bon, ça, de toute façon, quand tu joues la première fois, en général... Compléter la partie Dada. S'échapper des égouts. S'échapper du laboratoire. Compléter la campagne de Léon. Combiner deux objets ensemble. J'ai combiné deux objets ensemble. Lequel? Ah oui, le bracelet. Agrandir l'inventaire. Barricader une fenêtre avec les planches. Ok. Ouvrir le coffre portatif. Ok. Ouvrir un coffre à cadran. Ok. Tirer sur le chapeau de zombies. De 5 zombies. Tirer sur le chapeau de 5 zombies. J'ai tiré le chapeau de 5 zombies. Ah, peut-être les policiers. Tirer sur le chapeau du tyran. Ok. Foncer le tyran à mettre à genoux à terre. Ok. Vaincre G, deuxième forme en utilisant la grue qu'une seule fois. Parce qu'il faut les refaire, mon Charlie. C'est d'autres défis. Il faut les refaire, mon Charlie. Tu peux pas le faire tout d'un coup. Il faut le faire en plusieurs fois. Vaincre le tyran S au moins de 5 minutes avant la détonation. Oui, je le referai, mon Charlie, t'inquiète. T'as vu, regarde, mon Charlie. Tirer le tyran S moins de 5 minutes. Il n'a même pas fait une seconde, le combat. Et après, bon, après, je pense que... Ah! Compléter le jeu en moins de 4 heures. Ok. Ne pas effectuer plus de 14 000 pas. Ok. Ouais, et après, voilà, c'est... Tu peux pas le faire tout en une seule fois. Sauf l'oubli du crochet. Mais pas grave. Quoi l'oubli du crochet, mon Charlie? De quoi le crochet? Ah, du clocher. Du clocher, pas du crochet. L'oubli du clocher. Oui.
Oui, j'ai oublié le truc du clocher. Oui, j'ai dû revenir en arrière pour le prendre. Ok, j'ai tout débloqué. Mais lol, j'ai tout débloqué, mon Charlie, à un seul coup. Regarde, j'ai tout débloqué, mon Charlie. J'ai rien débloqué d'autre. Ouais. Et ben voilà, c'est la fin du jeu. Du coup, ben on se retrouve sur Resident Evil 2 sur un autre let's play. On fera les autres succès. On va mettre le vidéo. Sur YouTube ce soir, ce sera disponible dans une demi-heure. Et puis voilà, hein, 20h30, épisode débloqué sur le YouTube. Comme ça, vous pouvez le regarder, le let's play. Je vais aller me faire à manger. Je vous dis un bon appétit, peut-être à tout à l'heure pour un autre jeu, une surprise en live. Si je ne suis pas trop fatigué, je vais me reposer un petit peu entre deux. Et après le repas, je vais voir si je stream ou pas. D'accord ? Autrement, ben, on va faire du Resident Evil 2 ben, demain soir. Demain dans la journée, fin d'après-midi. Et puis, on complétera les succès de ce jeu. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci le passage à Charlie Frère de Corse. Merci à Tom Sniper Tom 13. Et n'oubliez pas, vous abonner sur le YouTube et sur le Twitch. Voilà, je vous attends. Allez, merci.